Bien, donc là, on va voir la première théorie dite théorie classique hein, du commerce international, qui est la théorie dite de l'avantage absolu. Alors, c'est quoi l'avantage absolu? Bah, ça vient d'Adam Smith dans La Richesse des Nations et notamment dans le livre 4. Voici ce que nous dit Adam Smith. Je cite, hein, je commente la citation de l'auteur. Si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous sommes en l'état de l'établir nous-mêmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions avec quelques parties du produit de notre propre industrie employée dans le genre dans lequel nous avons quelques avantages. Je paraphrase l'auteur ici. Il nous dit bah, finalement, si ça nous coûte moins cher d'acheter à des étrangers, eh bien, il vaut mieux qu'on laisse les étrangers fabriquer un produit. Et avec quoi est-ce qu'on va payer ce produit? Eh bien, on va le payer avec des produits que nous-mêmes nous allons exporter, des produits dans lesquels nous avons quelques avantages. Alors les avantages dont parle Adam Smith, donc c'est très simple, hein, là comme théorie, c'est tout simple, hein, il vaut mieux acheter à un étranger quelque chose de moins cher plutôt que de le faire nous-mêmes qui nous coûterait plus cher. Là pour un économiste ça me semble assez logique. Et donc la question est de savoir, bon bah d'accord, mais d'où va venir cet avantage? Qu'est-ce qui fait qu'un pays va produire moins cher plutôt qu'un autre? Bah, la plupart du temps, alors il y a tout un débat là-dessus, bah, finalement ça revient à l'utilisation des facteurs de production. Et quand ils sont mieux utilisés, ces facteurs de production, au mieux, eh bien ils sont plus efficients et donc ils vont pouvoir produire pour moins cher. Autrement dit, l'avantage absolu découle d'une comparaison entre les pays au regard de leur productivité, la productivité, l'efficience productive étant in fine ce qui va entraîner ces décalages de coûts. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire, mais non, il n'y a pas que ça, il y a le coût de la main-d'œuvre. Oui, mais il faut raisonner à productivité constante, hein. Si on vous dit qu'un Chinois il est 10 fois moins payé, mais qu'il est 10 fois moins productif, non, ça ne change rien, son coût de la main-d'œuvre ça sera pas moins cher. Donc là, il faut regarder, dit Adam Smith finalement, l'avantage absolu, hein, et regarder comparer les pays au regard de leur productivité. Donc là, si on utilise le modèle qu'on a pris tout à l'heure, le modèle de la frontière des possibilités de production, on va prendre ici la Chine et on va prendre ici la France. Donc là, j'ai pris un exemple très simple. Là, on voit que la Chine, quand elle alloue ses ressources rares, son capital, son travail à la production de légumes, les Chinois arrivent à produire 48 kilos de légumes par unité de temps. Et quand les Français font la même chose, ils n'en produisent que 32. À l'inverse, quand les Chinois décident d'allouer toutes leurs ressources à la production de viande, ils produisent 24 kilos par unité de temps, et la France n'en produit que 8. Donc là, il n'y a pas un grand économiste pour se rendre compte que manifestement, il y en a un, ils sont bons, il y en a, ils sont mauvais, là dans mon exemple. Les Français sont plutôt mauvais dans la production de l'un et de l'autre. Alors là, évidemment, l'argument d'Adam Smith, ça ne marche pas, puisque là, on voit qu'ici, la Chine, elle a des avantages absolus dans tous les domaines. La production de légumes, ils sont plus efficients. La production de viande, ils sont plus efficients. Alors évidemment, on raisonne à quantité de travail et on raisonne à heure de travail équivalente. La Chine, donc, a des avantages absolus. Et on voit que la France n'a d'avantages absolus en rien. Conséquence, dans cette situation, et c'est un peu l'étrange conclusion à laquelle on peut arriver, avec la théorie des avantages absolus, certains pays sont en quelque sorte condamnés à l'autarcie. Là, alors ça dépend comment on présente les problèmes, mais on ne verrait pas tellement l'intérêt des Chinois à ouvrir leurs frontières avec des Français qui sont vraiment très peu productifs et qui n'ont pas grand-chose à proposer. Ou à l'inverse, du côté des Français, on ne voit pas quel serait l'intérêt d'ouvrir leurs frontières. Ils vont se faire laminer par la concurrence chinoise qui semble être plus efficient. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, à l'heure actuelle, considèrent qu'il faudrait fermer les frontières parce que la France n'aurait, je mets du conditionnel, n'aurait d'avantage absolu en rien. Et c'est possible, hein, en théorie, c'est possible d'avoir un pays qui est plus mauvais. Alors plus mauvais, ça veut dire qui est moins efficient. Il y a moins de productivité, moins de gains de productivité dans tous les domaines que les autres, ça c'est totalement possible. Et donc on arriverait à la conclusion, avec la théorie des avantages absolus, que ce pays est condamné à l'autarcie. Justement, précisément, on va voir qu'il y a une autre façon de raisonner, ce que David Ricardo va faire, et c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.